Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live des Corrigés du Bac. On va aujourd'hui parler de sciences économiques et sociales, cette épreuve qui a eu lieu ce matin de 8 à 12 pour les élèves qui étaient seulement sur la matière obligatoire et de 8 à 13 pour les élèves qui ont choisi cette matière en épreuve de spécialité. Je suis avec Jean-Michel Charbonnel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Pour corriger ces sujets, on ne va pas traîner et on va commencer tout de suite avec donc le sujet de l'épreuve obligatoire. Pour l'épreuve obligatoire, on a le choix entre... Deux sujets en fait. Un sujet dit de dissertation, qui va s'appuyer sur un des documents, et un sujet d'épreuve composée. Alors, en fait, cette épreuve composée, les élèves le savent bien, elle se décompose en trois sous-épreuves. Un océan, épreuve composée 1, qui sont deux questions de cours. Sujet 2C2, qui est une présentation et une interprétation d'un document. Et un sujet 2C3, qui est un raisonnement argumenté sur une question qui est posée, et là encore trois documents qui sont fournis au candidat pour orienter un peu sa réflexion. Alors on va commencer tout de suite avec le premier sujet qui est la dissertation. Donc un sujet de dissertation qui portait sur des questions d'argent. Le salaire résulte-t-il uniquement de la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché du travail ? Vous qui nous regardez, si vous avez fait cette épreuve ce matin et si vous avez des questions pour notre professeur, il est là pour y répondre. Posez-les et je les transmettrai pour vous éclairer sur ce que vous avez pu écrire ce matin, ce que vous avez mis, vous, dans votre dissertation. Et on va la confronter à la correction qu'on va en faire tout de suite. Alors, sur ce sujet, premièrement, qu'est-ce qu'on pouvait mettre pour introduire cette dissertation ? Alors, c'est, a priori, le sujet comporte, enfin, c'est un sujet d'économie, vraiment de sciences économiques. Mais. On n'est pas dans la sociologie, c'est ça que vous voulez dire. Mais je pense quand même que dans ce sujet, on pouvait. S'agissant que de la question résulte-t-il uniquement de la confrontation entre l'offre et la demande, on pouvait aussi voir que la question du salaire est une question qui est, je pourrais dire, une question socio-économique. Il y a effectivement des aspects d'économie et des aspects d'institutions, de représentation du salaire et qui échappent en partie à l'analyse économique orthodoxe. Alors, pour la question, je pense que, évidemment, les élèves savent bien qu'il faut avoir une introduction en trois parties, donc une accroche. Alors moi, je pense qu'il faut effectivement se poser la question dans cette accroche de savoir si c'est l'interprétation économique du salaire résulte, correspond parfaitement à la question du salaire du marché. Et je pense qu'il faut dire que il y a certainement des composantes économiques dans le salaire, mais il y a d'autres composantes. Il y a des problèmes de représentation, des problèmes de représentation qui pourraient être jugés au niveau national. Hein, et effectivement, les questions, par exemple, de salaire entre hommes et femmes, de salaire entre régions pouvaient un petit peu être introduites, mmh. Ou alors des questions d'ordre international. Est-ce que, effectivement,
dans certains pays. Par exemple, un sujet comme celui-là n'est pas limité à la France. On peut élargir la réflexion. Le sujet peut être tout à fait être élargi à une réflexion internationale, et probablement la comparaison entre des pays émergents ou les pays les pays développés, occidentaux, peut se poser. Ensuite, effectivement, je pense qu'il faut introduire la problématique, hein, puisque c'est la deuxième partie de l'introduction, et ici, effectivement, dire que le salaire peut s'interpréter comme une confrontation de l'offre de travail et de la demande de travail, mais aussi il peut s'interpréter comme résultant d'un certain nombre de conventions, de même d'obligations légales, et qui échappe à l'analyse classique orthodoxe de l'offre de travail est déterminée par l'arbitrage prix salaire et loisirs, hein. Qu'est-ce que nous rapporte le salaire, mais qu'est-ce qu'il nous coûte? Ça, c'est l'arbitrage de l'offre. Et au niveau de la demande de travail, avec l'idée que la demande de travail, elle, théoriquement, décroît avec le niveau de salaire, eh bien, se poser la question du lien entre comment se détermine le salaire par rapport à la productivité marginale dans le cas de l'économie orthodoxe, et comment se détermine le salaire dans d'autres situations. Est-ce que l'on prend en compte d'autres éléments sur le salaire? Et enfin, troisième partie, l'énoncé du plan, avec une première partie, bien sûr, le salaire résulte en partie de la confrontation entre l'offre et la demande, mais il résulte aussi d'autres éléments, et donc ici de penser un peu à résulte des obligations légales, des obligations institutionnelles, du rapport entre les partenaires sociaux. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est dans les entreprises des rapports de force dans les entreprises. Mmh. Exactement. Ça, ce serait votre deuxième partie. Alors, ça serait ma deuxième partie. Mmh. Donc, la première partie, c'est un élément qui va être une analyse, je dirais, purement économique, même si dans cette analyse purement économique, on peut voir un certain nombre de correspondances entre l'analyse que j'appelle l'analyse classique orthodoxe, c'est-à-dire de dire bien il y a une offre de travail qui se confronte à une demande de travail, l'offre de travail elle est décroissante, elle est croissante en fonction du salaire, puisque le salarié il a d'autant plus intérêt à un salaire élevé qu'il renonce à un temps de loisir. J'utilise souvent pour mes élèves cette comparaison. Si on vous propose 2 euros pour garder pour une garde d'enfant, vous allez dire ça vaut pas le coup. Et en revanche, si on vous propose 20 euros, et bien là on va vous dire ça vaut le coup de renoncer au loisir pour percevoir ce salaire. En revanche, la demande de travail, toujours dans l'analyse classique, elle est décroissante du salaire, c'est-à-dire que le salaire est faible, l'ouvrier ou le salarié
à ce qu'on appelle une productivité marginale qui va compenser le salaire. En revanche, si le salaire est élevé, le salarié peut ne pas être en mesure de compenser pour l'entreprise par une productivité élevée, et dans ces cas-là, on abandonnera le salaire. Donc ça, c'est l'analyse orthodoxe classique. Je l'aurais développée dans une première partie. Après, il y a quand même Des nuances des nuances qui vont être, et des ou des nuances, précisions. des précisions qui sont développées par certains économistes. Alors, il ne faut pas rentrer trop dans le détail parce qu'on est ici dans un schéma global, mais il faut peut-être parler un peu de ce que l'on appelle le salaire d'efficience, hein, la théorie dite des contrats implicites, la théorie de déréalisation du marché du travail. Il y avait un certain nombre de choses à dire dans cette première partie. Donc, ensuite, on fait une transition qui nous amène à notre deuxième partie, Deuxième partie. qui vient contredire un peu ce qu'on a dit en première Alors, partie. c'est-à-dire que C'est complémentaire. voilà, c'est ça, c'est pas contredire, c'est complémentaire. Et là, on peut alors effectivement essayer de voir que la détermination du salaire résulte non pas comment dirais-je, de simplement une confrontation de l'offre et de la demande, mais elle résulte d'un ensemble de dispositifs socio-institutionnels et juridiques qui vont, comment dirais-je, modifier un peu, ou disons, être complémentaire de cette analyse. Alors là, dans les documents, hein, C'est là qu'on pouvait effectivement s'appuyer effectivement, sur les documents. voir ici que les questions donc qui sont en partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une question de rapport de force entre Les employeurs et les les... employeurs et les salariés, ou en tout cas les institutions, on voit bien qu'il y a quand même un nombre d'accords visant bien évidemment à l'ensemble des conditions de travail, mais qui dit l'ensemble des conditions de travail dit aussi le salaire. Et on voyait ici que sur la question du temps de travail, parce que ici, la dynamique économique classique du marché du travail ne se pose pas la question du temps. Hein. Est-ce qu'il y a la notion de marché du travail va être liée au fait que il y a un moment de rencontre entre un employeur et un employé, mais ensuite, dans la carrière professionnelle de l'individu, il va se dérouler un certain nombre d'éléments, donc sur le temps, sur l'implication du salarié, sur très probablement les questions de genre qui vont être influents, Qu'on a dans le document 3, voilà, donc par exemple. dans le document 3, c'est les éléments suivants. Et donc ça pouvait ici constituer en deux ou trois sous-parties un certain nombre d'éléments Et là, pour correspondant à le cette coup, question. les élèves avaient pas mal de chiffres ou de données à extraire pour appuyer leurs propos. Alors effectivement, par exemple, ici, dans la mesure où il y a puisqu'on peut commencer sur ce point-là, qui est le point du document 2, on peut s'apercevoir sur le fait que le SMIC, anciennement le SMIG, et essayer d'avoir une petite réflexion sur quel est le niveau du SMIC et du SMIG, et de dire que, par exemple, pour les économistes classiques, une partie du chômage résulte d'un niveau trop élevé du SMIC, mais d'autre part, considérer que pour le salarié, la comparaison entre le niveau
le niveau de rémunération du travail, mais aussi parce que pour le salarié, c'est des conditions d'existence de ce salaire, eh bien d'avoir un certain nombre d'éléments sur cette question-là. Hein. Alors ensuite, on pouvait aussi se poser la question de savoir, dans la représentation classique, en général, le salarié n'a pas ce qu'on appelle de capital humain incorporé, c'est-à-dire de niveau de qualification, de niveau de compétence, de niveau de savoir-faire, alors que dans les faits, effectivement, il y a ces questions-là influent très, très, très considérablement. Mmh. Et on pouvait ici se servir de la question des diplômes, de la question des catégories socioprofessionnelles, mmh. du niveau de hiérarchique, etc., pour alimenter toute cette partie. On passe ensuite donc à la troisième partie, si vous en avez prévu une dans cette correction. De cette partie, non. Là, moi, dans cet aspect-là, je resterai sur deux grandes parties. Deux grandes parties. Hein. Ces deux grandes parties qui, la première partie devait être, à mon sens, entre deux sous-parties. Une partie sur la détermination classique du salaire par comparaison de l'offre et de la demande de travail, mmh. mais aussi tout ce qui a été ajouté par l'ensemble des réflexions et de l'ensemble des théories sur le marché du travail, et des théories économiques. Hein, et puis, dans la deuxième partie, on devait réfléchir, à mon sens, sur l'ensemble des éléments socio-institutionnels, juridiques et rapport de force entre les salariés et les employeurs pour avoir au moins deux, trois sous-parties, plutôt trois mmh. sous-parties dans la deuxième partie. Et ensuite, on devait finir sur une conclusion qui rappelait un peu ces éléments. Ces éléments et, mmh. qui disait que il est clair que l'interprétation économique du salaire ne peut pas justifier totalement la question de la dynamique des salaires, aussi bien d'ailleurs au niveau national, voire infranational, qu'au niveau international. Merci beaucoup. Donc c'était la correction du sujet numéro 1, la dissertation. Mais si les élèves n'étaient pas rassurés par ce type de sujet ou ce type d'exercice, parce qu'une dissertation, ça fait parfois un peu peur aux élèves de terminale, ils pouvaient se pencher sur l'épreuve composée. Donc, comme vous l'avez expliqué en introduction, une épreuve composée de trois parties. La première partie, de mobilisation des connaissances. Si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de répondre à deux questions. Oui. Des questions de cours, j'imagine aussi. Oui. Donc, la question 1 de cette première partie, montrer à l'aide d'un exemple comment la croissance économique s'auto-entretient. Alors, cette question-là, elle peut être. Enfin, elle pouvait avoir de multiples développements. Et moi, ce que je pense, hein, et c'est l'idée de s'auto-entretien. Peut-être il aurait fallu. Faire une petite référence à la notion de croissance exogène et de croissance endogène. Et j'aurais juste inscrit ça, hein, donc l'idée... En définissant les termes, En définissant les deux termes. Et ensuite se référer à, exemples de cours sur la croissance endogène. Donc la croissance endogène, en règle générale, ça s'est présenté pour les élèves sous la forme des trois éléments qui sont la théorie de Romer sur l'innovation et les liens entre la recherche-développement et l'innovation. La théorie de Lucas sur la notion de capital humain ou la théorie de Barrault sur le rôle des infrastructures et du système institutionnel. Je pense qu'il fallait peut-être éventuellement les citer
tous les trois, mais la question, elle est précise, elle est à l'aide d'un exemple. Alors, je pense que soit sur la recherche ou développement et le lien avec l'innovation, soit sur le capital humain, faire un développement. Alors, sur la recherche et développement et l'innovation, eh bien, c'est de dire que à partir du moment où il y a un effort de formation relativement important, un effort de recherche relativement important, on génère des innovations. Ces innovations permettent d'avoir des stratégies de différenciation sur les produits, de différenciation sur les processus de production, et ces différenciations entraînent la croissance. Et parce qu'il y a la croissance, sous forme d'effets externes positifs, eh bien, on peut se positionner sur la recherche, enfin, ou faire des efforts sur la recherche et développement avec de nouveau l'innovation. Ça, c'était une première partie. Et la deuxième partie sur le capital humain. Alors, donc là, ici, c'est l'idée que dans la mesure où il y a un personnel qui est bien formé, eh bien, cela permet des créneaux de spécialisation sur des produits qui ont forte valeur ajoutée. Cette forte valeur ajoutée, évidemment, entraîne des profits pour l'entreprise ou des résultats pour l'entreprise, et ces résultats pouvant être distribués pour alimenter à la fois un système public de formation et à la fois un système privé pour l'amélioration des compétences du capital humain. Voilà, sur cette première question. C'était sur la première question, donc, de la première partie de l'épreuve composée. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer à l'aide d'un exemple, toujours, hein, que les inégalités économiques et sociales peuvent être cumulatives. Alors là, on est quand même très... Dans du classique. Très largement dans du classique. Je crois qu'il y a quelques années, c'était un sujet d'épreuve composée de la France métropolitaine. Donc là, on est tout à fait dans le classique. On peut très, très largement utiliser. Alors, c'est bien évidemment, hein, je pourrais donner cet exemple qui, à mon sens, est le plus possible. On est dans une famille pauvre. Si on est dans une famille pauvre, on a une formation qui est en règle générale relativement peu développée, hein, des diplômes, des formations relativement peu développées. À partir de là, on est très souvent... À des salaires moins élevés. Alors d'abord, quand on est dans des arrondissements, enfin pas des arrondissements, mais dans les banlieues, dans des quartiers défavorisés. Et à partir de là, on a beaucoup plus de... On est peu formé, on a peu de... On est dans des endroits où les dynamiques d'emploi sont relativement défavorables, et donc on obtient éventuellement, si on a la chance d'avoir un emploi, eh bien, un emploi qui est relativement peu rémunéré, aussi bien en termes de travail, la pauvreté des générations d'enfants. Et c'est alors moi, à mon sens, c'est l'exemple type de cette spirale de la pauvreté. Vous pouvez s'appuyer aussi sur le document 3 de la dissertation. Alors, pour non, avoir l'idée, c'est effectivement, ça donne des idées, en tout cas. Mais normalement, ce qui est quand même conseillé aux élèves, c'est qu'une fois qu'ils ont choisi leur épreuve, se tenir non seulement aux questions qui sont posées, mais aussi aux documents qui sont lus. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même à partir de cette question qui est très précise, c'est-à-dire à l'aide d'un exemple, hein, dans les deux questions, je pense que les élèves pourront
pu assez facilement avoir une note relativement correcte sur ces questions. C'était donc la première partie de l'épreuve composée. Passons tout de suite à la deuxième partie qui comporte l'étude d'un document pour 4 points. Donc il faut présenter le document, hein, comme il est d'usage, puis il fallait caractériser les liens entre la croissance du commerce et celle du PIB. Donc on avait un joli tableau avec des grandes barres. Quels sont les termes scientifiques pour décrire ce document? Alors, non, l'idée classique, hein, c'est que pour ça, il faut toujours, se poser la question de la source. Alors, moi, j'aime bien ce qu'on appelle les éléments source, lieu, date, c'est-à-dire la source. Donc, on est c'est l'Organisation mondiale du commerce. Le lieu, c'est le monde. Hein, et la date, c'est dans l'intervalle qui va de 2007 à 2016. Alors ensuite, l'idée, c'est qu'on a un graphique qui va faire un lien entre la croissance du commerce mondial, hein, et le PIB réel. Donc c'est la croissance du commerce, c'est globalement l'ensemble des flux commerciaux, hein, mondial, et le PIB réel, donc c'est le PIB mondial. Hein. Donc c'est bien expliciter ceci. Alors ensuite, on a donc... dernier point quand même, c'est de dire que on a bien ici cette croissance année après année, et ensuite on a la croissance moyenne là du commerce. On fait la moyenne de l'ensemble des situations, aussi bien moyenne du taux de croissance du PIB, hein, sur la période 2007-2016, que la croissance moyenne du flux. Alors on peut partir du flux d'exportation sur l'ensemble de ceci, avec peut-être d'emblée de jeu considérer que le commerce, même sur la période 2007-2016, et sachant que la période 2007-2016 entraîne une partie de ralentissement net de la croissance mondiale, et ensuite une partie où la croissance mondiale s'est rétablie, eh bien, on voit ici quand même que globalement sur l'ensemble de la période, la croissance, le commerce mondial tire la croissance du PIB. Ça, c'était le premier point. Mmh. Et ensuite, je pense qu'il fallait voir que dans le cas, c'est que dans bon nombre enfin, dans la quasi-totalité des situations qu'on peut observer, le commerce mondial est plus fort que la croissance économique. Simplement, dès l'instant où on a un ralentissement, voire pour la période 2009, une inversion de la dynamique, hein, puisque on a ici une croissance du commerce qui a très fortement chuté, hein, puisqu'on est à pratiquement, et je crois qu'il faut citer le chiffre, moins 13%, hein, eh bien, on a eu certes un effet dépressif important sur le PIB mondial réel, mais il est beaucoup moins important, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord le commerce qui est impacté par le ralentissement économique et simplement ensuite le ralentissement du PIB. Mmh. Voilà. Je pense que c'était à peu près ceci qui... Par exemple, pour un document comme ça, combien de lignes il faut à peu près pour une réponse qui soit complète? Moi, je pense que ici, c'est pour quelqu'un qui a une calligraphie normale, c'est à peu près
de l'ordre d'une page, quoi. D'accord. Je pense que on est grosso modo, hein, ici, on est sur une page et demie pour la partie 1. On est à peu près une page, voire peut-être un petit peu plus pour la partie 2, ce qui fait que ça représente 10 points. Hein. Il faut bien se penser ça. Et ensuite, eh bien, on est sur à peu près 3 pages pour 2 pages et demie, 3 pages pour le raisonnement argumenté. Sur lequel on va s'appuyer tout de suite, la troisième partie, donc raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire, donc effectivement pour 10 points, comme vous venez de le rappeler. Le sujet était, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les formes de solidarité ont évolué. Alors, le sujet est sans doute un petit peu plus complexe que le sujet... que les sujets précédents, à la fois la partie préparatoire, hein, et enfin c'est pas d'ailleurs préparatoire, mais l'EC1, EC2 et la dissertation. Parce que là, on vous demande un élève qui sur les formes de solidarité. Alors s'il est plutôt sociologue, bon, c'est bien, ouais. Mais s'il est plutôt globalement... Économiste ou économiste sociologue, c'est quand même une partie qui est assez très orientée sociologie, hein, très 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 clairement. Là, il faut quand même regarder un petit peu. D'ailleurs, on commence tout de suite avec un texte de Durkheim. Donc voilà, c'est ça. On entre de plein pied dedans. C'est pour ça que c'est exactement ce que je soulignais, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait bien ici analyser les documents. Autant, je pense que tout à l'heure dans la dissertation, l'analyse des documents pouvait être un petit peu rapide. D'ailleurs, il n'y avait pas de texte. Que des tableaux avec des chiffres. Que des tableaux. Mmh. Et deuxième élément, là, il faut analyser le texte et là, il faut absolument avoir des références en termes de... des références durkheimiennes, donc, sur ce qu'on appelait la solidarité mécanique et la solidarité organique. Et là, il faut vraiment... Ce sont des notions assez classiques aussi. Ah, c'est des notions tout à fait... Ah, non, je pense que c'est des notions de sociologie. Les élèves ne sont quand même pas tombés de leur chaise en voyant Non, et puis en plus de ça, je crois qu'ils ont eu Durkheim pour réfléchir au niveau de la philosophie. Donc, voilà. Non, là, c'était bien. Mais ce que je pense, c'est qu'il fallait bien essayer de le mettre. Et effectivement... je pense que solidarité mécanique, solidarité organique, c'était un bon point pour, pas forcément le faire, mais c'était un bon point pour cette question-là. Mmh. Alors ensuite, aide reçue selon l'âge en 2011, il fallait quand même aussi essayer de voir... de bien analyser ces documents, hein, parce que il y a une présentation synthétique, hein, donc l'ensemble des aides reçues, mais il y a aussi une présentation par type d'aide, et je pense que par type d'aide, il y avait un certain nombre d'informations qui étaient relativement prenantes. Hein. Donc ici, par exemple, le soutien moral, on voit quand même que, alors on peut le voir, je dirais, de deux façons, hein. Le soutien moral, il peut être, on peut se dire qu'il y a 50% des gens qui ont, des personnes âgées de 16 à 29 ans qui auront ce soutien moral, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne l'ont pas. Et je pense qu'il fallait
voir un petit peu plus et se dire qu'est-ce que ça signifie, parce que très probablement, ceux qui ont des aides sont ceux qui ont, j'ai envie de dire, a priori, le moins besoin d'aide. Et puis, il y a deuxième élément qui sont sur le fait que il y a un problème aussi d'âge. Parce que ici, l'âge de 16 à 29 ans, il est quand même relativement important. Et de la même façon, quand on regarde les aides, entre les aides financières et les aides matérielles, il y a très probablement un problème qui sont que c'est ceux qui ont le moins besoin d'aide qui ont probablement une aide financière qui est relativement importante. Alors que ceux qui ont le plus besoin d'aide, il y a certainement des aides, mais ces aides sont très limitées. Donc là, je crois, ça me paraît, c'est un petit peu difficile à interpréter, mais pour autant d'avoir une interprétation. Et enfin, alors le troisième, bon, c'est, je sais pas, c'était le football qui a inspiré sur. En tout cas, c'est l'actualité. La question, c'est exactement ça. C'est qui a, comment dirais-je. Donc là, on s'attache à une description un peu sociologique, on va dire, des groupes de supporters. Des groupes de supporters, mais alors, c'est effectivement, c'est un petit peu l'idée, et parce que c'est quand même. Et parce qu'on parle, je vous rappelle, on doit réfléchir sur les formes de solidarité et leur évolution. Les formes de solidarité et leur évolution. Donc, c'était là qu'il y avait sans doute à creuser un peu sur justement cette notion d'évolution des formes de solidarité. Hein. Et je pense que certains des élèves ont pu être un peu décontenancés par ce texte-là, parce que... Ça sort de l'ordinaire, en tout cas. Ça sort de l'ordinaire, puis c'est les ultras, c'est quand même un des groupes très, très restreints de population, donc, mais ça nécessitait de... Vous, en tant que professeur, ça vous a intéressé, ce petit texte, ou vous avez été surpris tout autant que pouvaient l'être les élèves? Ben, je trouve que c'est un peu difficile pour les élèves de faire ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est effectivement un sujet qui était vraiment un sujet de sociologie. Quand on s'attache à des groupes aussi minoritaires. Ben oui, parce que d'une part, les aides reçues, c'était compliqué pour interpréter correctement les aides reçues. Et deuxièmement, on cherche un peu le lien entre les trois documents. Et les trois documents, alors il existe, il est même très pertinent, notamment pour des élèves qui ont fait un cours sur, assez approfondi sur les formes de solidarité. Ça pouvait être un peu plus délicat pour des élèves qui seraient un peu rapidement passés sur ce cours. C'est pour ça que vous disiez aux élèves qui voulaient choisir l'épreuve composée de faire attention, parce que la facilité peut-être des premières parties pouvait être vraiment compensée par plutôt la difficulté de cette troisième partie. Voilà, on peut le voir, c'est toujours la même chose, on peut le voir en se disant, il y avait des points, à mon sens, hein, parce que c'est le graphique, il n'était pas compliqué. Il n'était pas compliqué. En plus, c'était vraiment, je pense que ça répondait quasiment à une partie du cours. Il n'y avait pas de grosses difficultés. Les questions de cours, les deux, le C1, là. Donc, je pense que c'était possible de gagner des points bien. En revanche, sur la question des formes de solidarité, il fallait faire des liens, il fallait d'abord, je pense, puisque là, on n'est pas tout à fait, hein, je l'insiste, les élèves, on est sur un raisonnement argumenté. On n'est pas obligé, je pense que dans la dissertation, il faut respecter les canons de la dissertation. Mais dans la... Comment ça se rédige un raisonnement, une question de raisonnement comme ça? C'est effectivement, c'est essayer de voir quand même, il faut faire un petit plan. Hein. Mais il faut
il faut surtout avoir une alors donc je pensais vous quand ici, même poser une problématique quoi vous quand même poser une problématique oui peut-être pas oui. aussi clairement de façon aussi institutionnelle entre ah voilà c'est ça c'est pas aussi c'est pas aussi institutionnel mais effectivement il fallait à mon avis partir des notions de cours hein, sur comment sur ben justement solidarité organique solidarité enfin plus exactement dans le sens solidarité mécanique en insistant bien sur justement ce qui est dans la dans le texte c'est-à-dire que la solidarité mécanique repose sur la ressemblance des individus et en revanche la solidarité organique repose au contraire sur la différence des individus. Elle repose en termes de division du travail, hein, qui est la source de la solidarité organique, mais qui est important. Ensuite, je disais que dans la mesure où il y a une densité dans la ça, c'était pour moi, c'était un premier paragraphe. D'accord. Hein. Dans la mesure où il y a une densité de densité sociale qui est beaucoup plus importante en termes de mobilité, en termes de structure, en termes d'institutions, etc. Donc, essayer de voir que effectivement, les formes de solidarité vont être diverses. Hein, les formes de solidarité vont être diverses et elles vont donc là je pense qu'il aurait fallu réintroduire un certain nombre d'éléments du cours de seconde avec du cours de première pardon avec l'idée que il y a une solidarité primaire qui est essentiellement fondée sur la famille et l'école, et des solidarités secondaires qui viennent se greffer, mais qui sont au moins jusque dans la deuxième partie du XXe siècle, ce qui sont quand même relativement fondées sur une certaine stabilité de la vie conjugale, de la vie professionnelle. Et ensuite, indiquer que dans la période présente, maintenant, les formes de solidarité évoluent et que notamment, par exemple, je pense que sur les groupes de pairs, hein, et les élèves ils connaissent bien ça sur ce qu'on leur a expliqué, que ben, à travers l'école, il y avait des formes institutionnelles de l'école qui sont fondées, mais il y a aussi le groupe de pairs et puis les groupes de pairs avec, les problèmes associatifs. Et ensuite, dans la partie que l'on qualifie en général de secondaire, eh bien, l'idée de dire que les solidarités évoluent, se diversifient, revêtent des intensités différentes. Mmh. Par exemple, essayer de faire qu'est-ce que c'est que solidarité des ultras. Et enfin, dans une troisième partie, c'est qui à mon sens est aussi un peu une conclusion, c'est de dire que si les formes de solidarité évoluent, il reste des solidarités il reste des solidarités traditionnelles et qui ont très probablement une intensité très importante et il reste aussi des solidarités nouvelles et qui peuvent jouer dans la vie des individus un rôle très important. C'est donc la fin de la correction de cette épreuve composée et la fin de notre Facebook Live. On vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. On se retrouve demain pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques qui a lieu demain matin. Et il y aura sans doute plus de questions. sur les mathématiques, vous savez, c'est assez clair. Hein. C'est soit on a bon, soit on n'a pas bon. Donc ça dépend. En tout cas, merci à vous de nous avoir regardé. Et on se retrouve demain sur le Figaro étudiant. À la prochaine. C'était... On avait un...